Étudier la vie des océans est une véritable plongée dans l'inconnu. C'est ce défi que va relever une équipe de 20 scientifiques. Ils s'apprêtent à embarquer à bord du Zone, un navire d'exploration allemand, pour une mission pionnière. Depuis les premières expéditions océanographiques, la recherche a pu résoudre certains mystères des profondeurs. Mais la connaissance des grands fonds est toujours parcellaire. Les scientifiques réunis dans le port de Yokohama au Japon font partie du MARUM, le centre allemand pour les sciences marines de l'environnement. Leur mission est ambitieuse, explorer les fonds marins japonais pour mieux comprendre les tsunamis. Leur voyage est programmé depuis des mois et le matériel a déjà été acheminé par voie maritime depuis l'Allemagne. Pour la première fois, les chercheurs allemands vont travailler main dans la main avec des scientifiques japonais. Travailler à bord, c'est ce que je préfère dans mon métier. Chacun est spécialisé dans un domaine et nous faisons des découvertes inédites. C'est ce qui rend notre métier passionnant. La destination a de quoi allécher tous les géologues du monde. L'épicentre du tremblement de terre qui, le 11 mars 2011, a frappé le nord-est du Japon. Cette expédition est bien sûr liée aux violents séismes qui se produisent au Japon. Nous cherchons à mieux anticiper ces phénomènes dans l'intérêt des populations locales. Le navire océanographique restera 4 semaines en mer, avec une brève escale pour renouveler l'équipage. Les deux équipes de scientifiques utiliseront des engins sous-marins pour sonder les fonds marins et pour prélever des échantillons. De gros espoirs sont placés dans la collaboration entre le MARUM et les scientifiques japonais. Il faut des gens persévérants qui ne se découragent pas au premier échec, des gens énergiques et volontaires. Et nos confrères japonais le sont. Quand on n'a pas peur de se trouver sur un bateau au milieu de l'océan, on développe une véritable fascination pour la mer. Je ne sais pas combien de levées et de couchers de soleil j'ai vu, mais je ne m'en lasse pas. Le navire reste rarement ancré à Brême, son port d'attache. La plupart du temps, il est en expédition dans les mers et les océans du globe. À son bord, un équipage de 25 personnes et presque autant de scientifiques. Le capitaine est le chef de la logistique. Il faut tout avoir à bord quand on part pour une expédition de 40 jours. Si on a oublié quelque chose, il faudra faire escale dans un port ou se faire parachuter une cargaison par avion. Et ça complique les choses. Il y a donc une importante logistique derrière tout ça, et mon boulot, c'est de tout coordonner. Avant même que le premier engin soit mis à l'eau, toutes les personnes à bord participent à un exercice de sécurité. La mer au large des côtes japonaises est agitée. Le bateau est un microcosme. On travaille tous très étroitement les uns avec les autres. Techniciens, matelots de pont, officiers de navigation et scientifiques. On trouve tout de suite un langage commun. Océanographe passionné, le chef de projet, Gerold Pfeffer, chapeaute l'équipe scientifique. Je trouve motivant d'explorer avec nos confrères japonais une zone extrêmement intéressante. Elle l'était déjà avant le séisme, en raison des émanations de gaz qui ont été observées et de l'activité tectonique. C'est toujours passionnant et un véritable défi d'explorer cette zone. Le MARUM est intégré à l'Université de Brême, en Allemagne. Cet institut de pointe de renommée internationale a été créé sous la houlette de Gerold Pfeffer. Piloté par l'institut, géologues, biologistes, océanographes et chimistes conduisent des travaux de recherche fondamentale dans toutes les mers du globe. Je
J'ai une approche innovante de la recherche. Je m'intéresse à ce qui n'a pas encore été fait, aux thématiques importantes pour l'avenir. Je me projette toujours dans 5 ans, pour mieux identifier les orientations à suivre, en fonction des thèmes émergents. L'étude du tsunami qui a dévasté le nord-est du Japon ne représente qu'une partie des recherches conduites par le Maroum. Tous les appareils stockés dans cet entrepôt ont déjà permis d'explorer le Pacifique, l'Atlantique, la Méditerranée et la mer Noire. Ces instruments sous-marins de très haute technologie nécessitent un perfectionnement constant. Ces instruments ont été développés pour répondre à des projets scientifiques précis et urgents. Für die Art der Wissenschaft, die wir machen. Und etwa 50% werden die Geräte auch von anderen. La moitié d'entre eux sont également utilisés par d'autres instituts dans le monde. C'est la preuve que nos appareils sont attractifs. Certains d'entre eux ne sont détenus que par 6 ou 8 autres instituts dans le monde. Disposer de ce type d'appareil nous permet donc de nous démarquer. Retour à bord. Les scientifiques japonais de JAMSTEC, l'Agence des sciences et technologies marines et terrestres, ont leur propre mission. Retrouver les stations de mesure sous-marines vraisemblablement détériorées par le séisme et, si possible, les réparer. Nous allons envoyer cet équipement au fond avec le robot téléguidé. Et une fois que nous aurons trouvé les stations, nous les connecterons à cet enregistreur de données. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de comprendre comment le déplacement des fonds provoqués par le séisme peut déclencher un tsunami. Comment des phénomènes tectoniques peuvent modifier le plancher océanique. Cap Nord-Nord-Est. La zone de recherche se situe à 360 km. Les Japonais cherchent les stations JT1 et JT2. Le séisme pourrait les avoir ensevelis ou cassés. Les ravages causés au fond marin par le séisme n'ont pas été évalués. Des mesures effectuées par des scientifiques japonais ont révélé que le fond de l'océan s'était déplacé de plusieurs mètres à cet endroit. Bien entendu, la qualité du travail que nous effectuons ici repose sur notre collaboration avec nos collègues japonais. J'ai vécu le grand tremblement de terre de Kobe alors que j'étais au collège. C'est pour cette raison que je suis devenu géologue et que je me suis spécialisé dans les séismes. Je fais ce métier dans l'intérêt de la population japonaise. J'étais dans mon bureau à Tokyo quand j'ai ressenti une violente secousse qui a duré plusieurs minutes. On a compris qu'il ne s'agissait pas d'un tremblement de terre ordinaire et qu'il risquait d'être suivi par un tsunami. Quelques heures plus tard, c'était la panique totale à Tokyo.
On a vu les premières images à la télévision. Un tsunami s'approchait des côtes. Le tsunami engendré par le séisme du 11 mars 2011 a atteint les côtes japonaises en 20 minutes. Les tsunamis se déplacent à la vitesse d'un avion à réaction, soit 800 km/h. 12 heures plus tard, la même vague avait rejoint les côtes californiennes. Nous sommes conscients de l'importance des investissements financiers. Tous nos instruments valent une fortune. Le coût de la logistique est faramineux. Et nous ne savons pas si les conditions météo en pleine mer nous seront favorables. Nous attendons beaucoup de ces recherches. Et la pression est grande. L'AUV, un véhicule sous-marin autonome, est un appareil extrêmement fragile. Avant sa mise à l'eau, l'équipe doit réparer un dommage survenu pendant le transport. Au port, le conteneur a été manipulé brutalement et son contenu a reçu de gros chocs. Trois capteurs du véhicule ont été arrachés de leur support et nous avons été obligés de démonter sa partie arrière. Grâce à l'AUV, les scientifiques vont pouvoir analyser le relief sous-marin et dresser des cartes de régions encore inexplorées. Les géologues ne manquent jamais une occasion d'étudier les fonds marins sur le terrain plutôt qu'à l'université. Myriam Römer n'avait pas mis les pieds sur un navire depuis un an. J'ai déjà participé à 7 expéditions. J'ai été enchantée à chaque fois. Être à bord d'un navire est l'aspect le plus agréable et le plus fascinant de notre métier. Son travail à bord commence par l'installation du laboratoire embarqué. On va prélever et analyser des composés gazeux contenant du méthane. Pour cela, on aspire les gaz dans un récipient pressurisé, maintenu à la même pression que celle des fonds marins. Une fois remontés, on pourra les libérer de manière contrôlée et mesurer leur teneur en méthane. Si tout se passe bien, les scientifiques devraient obtenir des images de ce type, prises par un robot téléguidé lors d'une précédente expédition en mer Noire. Les variations de la teneur en méthane traduisent des modifications des fonds marins, suite à des séismes qui fissurent ou déforment le sol.
On positionne la lance thermique de cette manière pour l'enfoncer dans le sédiment. Cette partie est munie de capteurs thermiques qui mesurent la température. Dès que nous détecterons une anomalie, c'est-à-dire une élévation de la température, nous saurons qu'il faut chercher de ce côté-là. Mais dans l'immédiat, je dois d'abord arrimer tous les appareils, car avec la houle, ils risquent de tomber de la table. Le pont est balayé par les vagues. Les prévisions météo sont mauvaises. Sur le pont arrière, on prépare tout de même le ROV pour une première plongée. Il s'agit d'un véhicule sous-marin contrôlé à distance. Volker Rathmeyer a piloté l'appareil dans presque toutes les mers du globe, mais pas encore ici. Le ROV est équipé de caméras et téléguidé depuis le navire. Il peut descendre jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Il en existe moins de 10 exemplaires dans le monde. Pas étonnant. Le Maroum a dû débourser 4 millions d'euros pour celui-ci. Il est manœuvré avec d'infimes précautions. Je suis devenu scientifique parce que les énigmes me fascinent. C'est passionnant de chercher des solutions aux interrogations de la science, de mener des recherches dans des conditions totalement nouvelles, mais aussi d'assurer leur mise en œuvre sur le plan technique. Et pour ce type d'exploration, on ne peut avoir recours qu'à des technologies de pointe. Le vent, les vagues et les courants sont les ennemis des chercheurs. La plongée numéro 318 du ROV est finalement reportée. Il y a un courant de presque 2 nœuds, du vent et une houle de presque 3 mètres. On a tenté une sortie, mais c'est trop difficile de régler le ROV dans ces conditions. On a finalement renoncé à la plongée car la mer est de plus en plus agitée. Il ne faut surtout pas heurter les appareils contre les bordages en les mettant à l'eau ou en les sortant de l'eau. Il faut donc évaluer très précisément les risques et ce n'est pas toujours facile de prendre une décision. Le navire va longer la fosse du Japon, qui traverse le fond de la mer et remonte vers le nord. Elle s'étire sur 800 km et son point le plus profond se situe à 9000 mètres en dessous du niveau de la mer. À bord, le sondeur multifaisceau balaye le fond et donne des informations sur sa morphologie. Nous sommes en train de parcourir la partie médiane de la fosse. On voit ici une élévation du relief et c'est précisément cette falaise qui réfléchit le signal que nous recevons ici, de couleur légèrement plus orangée. Il pourrait s'agir de l'émanation gazeuse que nous recherchons. Pour détecter ces phénomènes dans les eaux japonaises, il faut impérativement disposer de cartes des fonds marins. Mais les cartes existantes sont imprécises. Or, mieux les scientifiques connaissent la topographie des fonds, mieux ils peuvent cibler leurs zones de recherche. Les Japonais nous ont fourni une carte générale et quelques cartes plus détaillées des endroits où des plongées ont déjà eu lieu. Tout le monde est impatient de voir ce qu'on va découvrir. L'avantage, c'est qu'on peut aussi discuter de ces découvertes. Si l'un de nous a de nouvelles idées, il peut immédiatement en discuter avec les autres.
Cette manière de travailler est très efficace, car elle permet d'avancer beaucoup plus vite dans la compréhension des phénomènes observés. Lors de la réunion quotidienne, les deux équipes déterminent l'itinéraire où seront effectués les relevés. Le navire a maintenant atteint une position qui intéresse beaucoup les chercheurs japonais. Ils pensent que le plancher océanique s'est soulevé à l'extrémité d'un talus continental. Pour l'instant, c'est une simple hypothèse. Mais si elle venait à se confirmer, ce serait une découverte importante. La fosse du Japon se caractérise par des versants escarpés sur lesquels se sont accumulés des sédiments. Des secousses de type sismique peuvent les mettre en mouvement, et si ces glissements sont de grande ampleur, ils peuvent causer des tsunamis. Participer à cette expédition est une grande chance pour nous. JAMSTEC, notre institut, ne dispose que d'un nombre limité de navires. Et la plupart sont actuellement mobilisés sur d'autres campagnes de mesures. Avec un sous-marin de recherche océanographique, JAMSTEC a filmé il y a quelques mois une immense faille. Cette découverte a néanmoins apporté plus de questions que de réponses. La faille est-elle récente ou ancienne? Est-elle consécutive au séisme du 11 mars 2011? L'activité sismique dans la région qui entoure le Japon est la plus forte du monde, car l'archipel se situe à la jonction de quatre plaques tectoniques. La Terre y tremble régulièrement et toujours avec une extrême violence. Pour quelle raison? La science a fourni des premiers éléments de réponse il y a une centaine d'années. Les plaques tectoniques, qui constituent l'enveloppe externe et rigide de la surface terrestre, se déplacent en permanence sous l'effet de forces internes et se frottent les unes contre les autres. Lentement, mais régulièrement, avec une puissance inimaginable. Ce phénomène est à l'origine de la séparation et de la dérive des continents. Il se produira aussi longtemps que la Terre existera. Les scientifiques sont capables de dire dans quelle direction se déplacent les plaques tectoniques et de calculer approximativement quelle sera la position des continents dans 50 millions d'années. Ces plaques se chevauchent au large du Japon, engendrant d'immenses tensions qui sont à l'origine de séismes. L'épicentre du séisme du 11 mars se situait à 25 km sous la surface terrestre. Un des principaux objectifs de la mission est de prélever des échantillons du sol dans la fosse du Japon. Une première analyse des carottes de sédiments à bord du navire livrera des premiers résultats en quelques jours. Les carottes seront ensuite expédiées à Brême pour des analyses plus poussées. Un tube en acier contenant un autre tube en PVC est suspendu à un câble de 8 km et descendu jusqu'à ce que le contrepoids touche le fond. Le déclencheur est alors libéré et le carottier tombe en pénétrant les sédiments. Il est ensuite remonté sur le navire. Les échantillons récoltés constituent de précieux éléments pour l'étude des fonds marins. À bord, l'équipe prélève la moitié de la carotte sédimentaire à des fins d'analyse. L'autre moitié, qui doit servir de référence, sera conservée intacte dans un entrepôt. À l'Institut de Brême, plus de 150 km de carottes sédimentaires sont conservées dans un entrepôt étanche et réfrigérées à 4 degrés. Une véritable manne pour les scientifiques. Il n'existe que trois centres d'archivage tels que celui-ci dans le monde.
celui de Brême stocke des carottes prélevées dans l'océan Atlantique, du pôle Nord au pôle Sud. Parmi elles, une rareté absolue. C'est un échantillon datant de l'extinction Crétacé-Tertiaire, l'époque de la fameuse chute du météorite connue pour avoir entraîné la disparition des dinosaures. L'accumulation de sédiments s'est faite au rythme de 2 cm tous les 1000 ans et cette couche est contemporaine de l'impact. Elle contient des matériaux fondus et notamment une couche d'argile contenant un taux très élevé d'iridium, un élément extraterrestre, dont la présence prouve qu'il y a bien eu un impact de météorite. Les précieuses carottes sédimentaires attirent chaque année des centaines de scientifiques venus du monde entier et désireux de valider leur thèse. À bord du Zoneux, les scientifiques disposent d'un équipement vidéographique nommé OFOS, qui est utilisé lorsque la météo ne permet pas la mise à l'eau du ROV. Il est remorqué par un câble de 4000 mètres de long. Cela nous permet d'avoir au moins une vision du fond. Même si on ne peut pas prélever d'échantillons avec l'OFOS, ça nous donne un aperçu des endroits susceptibles de nous intéresser. Quand les conditions météo permettront d'utiliser le ROV, nous saurons où aller. Voici les premières images du plancher du Pacifique, prises sous 3 angles différents. Repérer des formations intéressantes reste toutefois fastidieux. La zone de recherche couvre plusieurs centaines de kilomètres carrés et l'OFOS ne peut se déplacer qu'à la vitesse du navire. Nous devons être attentifs à la moindre faille, la moindre cassure, la moindre pente. C'est toujours le signe que quelque chose s'est produit. Le navire sonde les fonds marins en suivant des lignes parallèles. Des mesures sont effectuées tous les 8 km sur environ 20 km de long. Durant la nuit, le dispositif est remonté pour que le navire puisse se rendre plus rapidement vers un autre site. Cette fois, les images fournissent des informations intéressantes. On dirait qu'il y a une pente, comme s'il y avait un dénivelé. Ça semble remonter un peu, de quelques dizaines de centimètres. On distingue aussi plusieurs failles, mais du dessus, on ne voit pas très bien. On devrait refaire un passage en partant de là. Il y en a une autre ici. Exact. Mais elles sont toutes orientées dans la même direction. Oui, elles sont disposées comme celles que les Japonais ont observées quelques kilomètres plus au sud et à l'est. Le navire se trouve à la limite de sa zone de recherche, à seulement 220 km à l'est de Fukushima. Afin de mieux quadriller la zone, l'équipe décide de recourir à un autre appareil sous-marin, l'AUV. Le véhicule sous-marin autonome a pour mission de cartographier les fonds marins. À ce jour, les cartes existantes sont encore approximatives. L'AUV est chargée de préparer le terrain pour le ROV, qui sera plus facile à guider à partir de cartes détaillées. Les deux équipes de scientifiques déterminent ensemble la zone à cartographier. Ce sera pour eux l'occasion d'affiner les cartes existantes. Gerrit Meinecke pilotera l'AUV depuis ce poste de travail. C'est un véhicule autonome. Je dois donc le programmer pour qu'il sache ce qu'il aura à faire une fois sous l'eau. À la surface, il sait très bien où il est grâce à son antenne GPS. Il connaît donc sa longitude et sa latitude. Ensuite, on va lui donner l'ordre de passer en mode mission et de rejoindre une position déterminée. Une fois qu'il l'aura atteinte, il commencera à descendre vers les fonds marins avec un mouvement de spirale. Ce que nous voyons ici, en haut, c'est la courbe de niveau délimitant les 3450 mètres de profondeur.
On pense poser le véhicule à cet endroit. L'appareil va descendre à l'aveugle sur plus de 3000 mètres. Voici à quoi ressemblent les cartes existantes du secteur. L'AUV va permettre d'établir un relevé plus précis d'au moins une partie de la dorsale. Ce travail préalable est indispensable si on veut optimiser les plongées du ROV. L'AUV va générer une carte sur laquelle figure chaque mètre carré et le moindre relief. C'est aussi pratique qu'un plan de ville. Moi, je dirige le robot sous l'eau et mes collègues m'orientent grâce à la carte. Par exemple, ils vont me dire « À tel endroit, il y a une structure avec deux petits monticules. Fais avancer le robot de 5 mètres, puis tourne à 90 degrés. Ensuite, continue encore sur 5 mètres. Et je tombe pile sur le relief identifié sur la carte. C'est donc extrêmement efficace de travailler avec ces deux véhicules. Le navire a atteint la zone où les chercheurs japonais veulent positionner leurs balises de mesure sismique. Elles font partie d'un réseau d'appareils de mesure installés au large de toutes les côtes japonaises. L'expédition est l'occasion d'installer de nouveaux capteurs, car le réseau a besoin d'être densifié. Ces capteurs de pression enregistrent les vagues et les tsunamis. Si un nouveau séisme suivi d'un tsunami se produit, et même si celui-ci est de moindre amplitude que celui de l'an dernier, il sera enregistré et servira à l'étude globale des raz-de-marée déclenchés par les séismes. Au Japon, la prévision des tsunamis n'est pas encore assez efficace, selon les scientifiques. La zone à risque sismique s'étire sur plusieurs centaines de kilomètres le long des côtes de l'archipel. Il est prévu d'y installer de nouvelles sondes. Il y a environ 200 sondes en activité, sans compter celles qui sont reliées par câble. Leur rôle est de détecter les signes avant-coureurs de tsunami. Lorsqu'une vague se forme et menace de prendre de l'ampleur, l'information nous parvient presque en temps réel. Un programme informatique réceptionne les données et déclenche un système d'alerte. Le tout se déroule en moins de 3 minutes. Dans le laboratoire embarqué, les premières analyses des carottes sédimentaires prélevées dans la fosse du Japon progressent. Les biochimistes commencent par extraire l'eau du sédiment. Il n'y en a que quelques millilitres, mais c'est suffisant pour en mesurer le pH, l'alcalinité et la teneur en ammonium. Ces données permettent de déterminer si l'échantillon de carottes a séjourné dans cette couche depuis longtemps ou bien s'il s'y est déposé récemment. Lorsque les carottes arriveront à Brême dans quelques mois, les échantillons seront de nouveau analysés et soumis à d'autres tests impossibles à réaliser à bord du navire. Les conditions à bord ne sont pas toujours idéales pour effectuer de bonnes mesures. Nous en revérifions certaines une fois rentrées pour nous assurer que les résultats concordent. Les prélèvements sont placés dans le passeur d'échantillons. L'échantillon est aspiré dans le tube, introduit ici, dans le nébuliseur, puis passé à la flamme. Sous l'effet de la chaleur, les constituants de l'eau se dissocient. Et plus il y en a, plus ça s'éclaire. 6 mois après la campagne d'exploration en mer, des experts du Japon et du monde entier se retrouvent à Brême. Durant 4 jours, tous les résultats sont mis en commun. Les carottes sédimentaires sont elles aussi réexaminées. Des analyses chimiques, biologiques et géologiques sont effectuées. Les chercheurs se réunissent ensuite pour faire un premier bilan. Les résultats correspondront-ils à leurs attentes ?
Je suis enchanté. Nous avons ramené beaucoup de carottes sédimentaires extrêmement intéressantes. Nous avons vu beaucoup de choses que nous espérions trouver et beaucoup d'autres dont nous n'avions même pas osé rêver. Et il y a aussi des choses que nous ne comprenons pas et qui vont nécessiter des recherches plus avancées. C'est une réussite. Les scientifiques japonais ne sont pas venus uniquement pour partager leurs résultats. Ken Ikewana va ramener des échantillons au Japon pour des analyses complémentaires. Nous essayons de déceler des traces de séismes antérieurs dans les sédiments. Vous savez sans doute qu'un séisme est suivi d'une violente secousse latérale. Cela peut entraîner des glissements de terrain et des phénomènes de resédimentation caractéristiques. Au Japon, les échantillons subiront des analyses chimiques, mais seront également radiographiés pour permettre aux chercheurs d'examiner les couches les plus fines, susceptibles de receler les traces de séismes récents. Nous ignorons quelles modifications le plancher océanique a subi par le passé. C'est pourquoi nous avons besoin d'un marqueur temporel. Pour obtenir ces données, nous avons besoin d'un navire d'exploration océanographique tel que le Zone. Celui-ci dispose de l'équipement nécessaire pour prélever des échantillons. Travailler avec nos homologues allemands nous permet de comparer nos résultats. L'étude de ces données est primordiale pour comprendre la formation et la structure actuelle de la fosse du Japon. Cette collaboration est donc cruciale. La mise en commun des résultats provisoires a fait progresser la communauté de chercheurs, notamment sur la question fondamentale de l'origine du tsunami du 11 mars 2011. Nous avons établi que le mouvement des plaques et le soulèvement du plancher océanique étaient les principaux facteurs déclencheurs du tsunami. Nous travaillons actuellement avec d'autres chercheurs et grâce à des modèles informatiques, nous allons déterminer si d'autres vagues ont été générées par ces mécanismes. Jamais un tsunami n'a vu des conséquences aussi catastrophiques que celui du 11 mars 2011 dans la région du Tohoku. L'avancée de la recherche sur les séismes est donc d'une importance vitale pour les Japonais. L'expédition scientifique poursuit son autre objectif : localiser les stations de mesure JT1 et JT2 et relever leurs nouvelles positions. Werner, bist du da? Ja, ich bin hier. Gut, dann können wir. La météo s'est améliorée. Si les vagues sont encore hautes de 3 mètres, le vent et le courant faiblissent et le ROV peut être remis à l'eau. Les vérifications préalables à sa mise à l'eau prennent 2 heures. C'est un véhicule sous-marin téléguidé. Il est capable de plonger à de grandes profondeurs, d'effectuer divers prélèvements et diverses mesures. La communication avec un engin sous-marin nécessite une technologie fiable et sans faille. À partir d'une profondeur de 500 ou 600 mètres, il n'y a plus de lumière. Or, il en faut beaucoup pour pouvoir filmer avec des caméras à haute résolution. Le ROV a une capacité d'éclairage de 2,4 kW, assurée par des lampes LED, des lampes à décharge et des halogènes. Gut
alles in Ordnung. Gut, check Orion. Okay, verstanden, Orion. Les bras articulés du robot peuvent prélever des échantillons, les emballer dans des caisses de transport et même installer des instruments. Kann losgehen. Lashings los! Ja. Gut, geht los. So geht das. Gut. Und raus den Hecker. Fahrzeug im Teller geht raus. Stopp den Heckhagen. So, Fahrzeug außenbord. Fahr für High Power. Okay, High Power is coming up now. So, ihr seid soweit? Wir sind soweit. Ja, wenn dann jetzt. Gut. Geh nach 4! Fahrzeug geht ins Wasser, ihr sagt. Lashing mitkommen! Dann. Kann er los? Lashing los? Lashing los, ja. Lashing los! Ach, scheiße. Los, den Lashing! So, Winde hieven! Winde hieven! So, Fahrzeug ist frei. Bisschen eindrehen nach Steuerbord. Rückwärts Stopp, eindrehen nach Steuerbord. Ja, schmeiß raus und klein voraus. Noch ein bisschen. Gut. So, gute Position, gute Ausrichtung. Turn Counter könnt ihr resetten und abtauchen. Turn-Counter nochmal resettet, wir tauchen ab. Okay. But de la plongée numéro 318, retrouver la station de mesure japonaise JT1. Durant plusieurs années, celle-ci a fourni de précieuses informations sur les mouvements de la plaque tectonique sur laquelle elle reposait. Les chercheurs japonais supposent que le séisme l'a détruite. La retrouver et récupérer ces données serait une aubaine pour les Japonais. La descente dure 2 bonnes heures. Piloté depuis la station de commande, le robot donne l'impression de voler. Ça se rapproche plus du pilotage que de la conduite, parce qu'on se déplace dans 3 dimensions. Si on faisait rouler le robot au fond de la mer, on soulèverait trop de sédiments. Quand on veut le déplacer pour aller vers un autre site, on le remonte. C'est un déplacement dans l'espace, et c'est pour ça qu'on dit qu'il vole. Le ROV va descendre à 2000 mètres de fond et subir une pression de 200 bars. Par le passé, on a eu des engins dont la paroi en acier faisait 5 mm d'épaisseur. Quand il descendait à de grandes profondeurs, la paroi était broyée comme une canette de soda. Sur le ROV, beaucoup de composants ont des parois bien plus fines, mais elles résistent à la pression parce que leurs espaces creux sont comblés avec de l'huile. Le ROV ne trouve pas la station à l'endroit où elle était auparavant. Dans quelle direction faut-il la chercher? Le projecteur n'éclaire qu'à quelques mètres. Il faut alors se fier au sonar, dont les ondes acoustiques peuvent détecter un objet à 20 ou 30 mètres de distance. Ah,
Je pensais qu'on trouverait plus facilement. On ne sait pas de combien de mètres le séisme a déplacé la station. On ne va pas abandonner si vite. La voilà. Les scientifiques savent à présent dans quelle direction aller. Quelques minutes plus tard, ils aperçoivent la station. La structure en acier de 3 mètres de haut est toujours connectée à la plaque et capte les ondes sismiques. Mais l'instrument est mal en point. Il est encore debout, mais la partie supérieure s'est détachée et les câbles sont détruits. La station est inutilisable. Kazuya Kitada commente les images pour ses collègues. Le robot fait lentement le tour de la station pour en visualiser tous les détails. La fabrication et la mise en place de l'appareil ont coûté des millions. Le séisme a tout détruit. Quant à la deuxième station, elle n'est plus à sa position initiale, mais semble encore à peu près fonctionner. Reste à savoir si elle pourrait être réparée. Nous noterons ces coordonnées précises quand nous serons au-dessus. En comparant la position actuelle de la station à sa position initiale, les scientifiques constatent que le séisme a déplacé le sol de 50 mètres à cet endroit. Gerold Pfeffer a pris des risques en conduisant cette opération, et son audace a été récompensée. On a eu de la chance. On a profité d'une fenêtre météo pour mettre le rover à l'eau et on a pu localiser la station. C'est super. Nos collègues japonais pourront ainsi décider d'installer ou non de nouveaux appareils lors d'une prochaine plongée. C'est une bonne chose qu'on ait pu descendre. Cette expédition germano-japonaise ne sera pas la dernière. Certaines questions ne pourront être résolues qu'à l'occasion d'une prochaine mission scientifique. L'une d'elles concerne l'analyse plus approfondie du sédiment. Le chef de projet allemand est très satisfait de cette collaboration avec les scientifiques japonais. Nous avons recueilli des données extrêmement précieuses. La position des deux stations de mesure nous a permis d'établir avec exactitude les mouvements du plancher océanique. Celui-ci s'est déplacé dans des directions totalement différentes. J'ai été très surpris. Nous allons poursuivre notre expédition vers le sud, en direction de Tokyo. Demain matin, nous mettrons des observatoires à l'eau. Ce sont des instruments de mesure que nous arrimerons dans le sol. Nous les récupérerons lors d'une prochaine expédition. Puis nous reprendrons la route et en chemin, nous effectuerons d'autres mesures des fonds marins. Le Japon est en vue. Mais les chercheurs continuent à sonder les fonds marins jusqu'au dernier moment. Le déplacement du plancher océanique, confirmé lors de cette expédition, a-t-il joué un rôle dans la formation du tsunami ? Nous avons obtenu des résultats impressionnants, y compris par rapport à d'autres expéditions menées au Japon. Nous pouvons désormais affirmer qu'au large de Fukushima, le talus continental a glissé de 50 mètres à certains endroits, qu'il s'est élevé de 10 mètres et qu'une sorte de bosse s'est formée sous l'effet de ces forces phénoménales. Nous avons la preuve que des masses continentales ont été soulevées par la colonne d'eau avant de se reposer. L'expédition a-t-elle permis de livrer une explication sur l'origine du tsunami du 11 mars 2011?
Le tsunami a été déclenché par le brusque déplacement, la rupture et l'effondrement du talus continental. Le plancher océanique s'est alors déformé, ce qui a provoqué cette gigantesque vague. Dans deux jours, le navire océanographique accostera au port de Yokohama. Puis il reprendra la mer avec une autre équipe et d'autres questions pour tenter d'arracher de nouveaux secrets au fond marin.